Exactamente así. Las dos hermanas van de comentar que los dos minutos del tubo. Alors nous allons savoir qui va virer en tête au bout du plateau. J'aperçois donc une Kawasaki. Ah, le numéro 1 est deuxième. Donc Félix est déjà deuxième. Eh oui. Alors nous allons voir la Kawasaki par qui elle est pilotée à la sortie du plateau. Voir si Félix va faire le one-man show de la première manche, c'est-à-dire qu'il a fait tous les tours premiers. C'est le numéro 71 qui a eu des problèmes au bout de la... Le numéro 71, donc, c'est Bourgeois Richard du motoclub de Bruno. Malheureusement, la course se termine pour lui au premier virage. Et c'est le numéro 51. C'est Louis Franck du motoclub de Bruno qui vient en tête devant Félix. Et le 52, Thieu Patrice. Donc très bon départ donc du numéro 51. Franck du motoclub de Bruno, suivi de Félix du motoclub d'Auxerre-Appoigny. Le numéro 52 en troisième position, Thieu Patrick de Bruno également. Ensuite en quatrième, Benoît Bruno de Bruno. En cinquième position, le numéro 7, Colin Sébastien de Bruno également. Sixième, le numéro 2, Denisier. De Bruno qui déboutit, qui finit deuxième dans la manche précédente. Alors donc il faut s'attendre à une belle remontée de Denisier à l'issue de cette manche s'il veut attraper un podium. Ensuite nous avons donc en septième position le numéro 61, Boisdin Laurent, qui a fait une très très belle première manche également. En huitième position le 55, Dufour Gilbert du Mont-Saint-Sulpice. 9e, le numéro 139, Michon de Michy. Et 12e, le 160, Faya de Michy également. Numéro 1 premier, suivi de numéro 51, donc Franck Louis. Ensuite, nous avons le 52, Thieu Patrick de Bruno. En quatrième position, donc nous avons une remontée de Colin Sébastien à la quatrième place. Ensuite, nous avons le numéro 2 en cinquième position. Déboutier qui remonte également d'une place. Et le
cinquième position, le numéro 61, Vadim Rang. Et voici à nouveau troisième tour, le passage de l'As. Félix. Yeah.
Vous pouvez l'applaudir car il a été très méritant et tout simplement.